Just stop the transcription. Okay. Good. So good morning, everyone. Bonjour à tous. Je vais faire cette présentation en français et si jamais René, sur certaines choses, c'est pas clair, je reprends les éléments en anglais, il n'y a pas de souci. Je veux penser que ma français est suffisant pour suivre toutes les choses en français, il n'y a pas de souci. Je suis juste okay. L'américaine avec l'accent, c'est ça. Pas de problème, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Pour certains d'entre vous, ce sera tout nouveau. On va voir donc RPM, et je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera nouveau. Et nous verrons la page Humanitarian Action pour comprendre le lien entre les deux outils et les deux plateformes. Alors, avant de passer dans les cas pratiques et concrets des sites, j'ai quand même une petite présentation. Voilà. Donc pour rappel, on a notre cycle de programmation humanitaire avec l'évaluation des besoins et le HNO, la planification stratégique et le HRP, la mobilisation des ressources, la mise en œuvre et le monitoring et l'évaluation en fin de cycle avant de recommencer. Et pour chacune des étapes du cycle, on a des outils qui appuient. Au niveau de la partie évaluation des besoins et l'analyse pour le HNO, on a par exemple les outils comme Kobo qui permettent de faire la collecte et compilation des données. Sur tout ce qui va toucher la planification stratégique et le HRP, on aura justement le RPM que l'on va voir aujourd'hui. La partie du project module qui permet aux partenaires de soumettre leur projet. Tout ce qui touchera à la mobilisation des ressources et le suivi des financements se fera FTS. Et enfin, tout ce qui va toucher à la monitoring, on revient aussi dans RPM, puisqu'il y a tout un module monitoring à l'intérieur de RPM. Donc voilà dans quoi s'inscrit cette formation aujourd'hui. C'est vraiment pour comprendre que RPM est l'outil qui permet la planification et la partie monitoring. Ceux qui ont participé au processus au mois de novembre-décembre, vous avez dû avoir un petit aperçu de RPM quand vous avez mis vos cadres sectoriels qui vous concernent dans le système. Donc à quoi ça ressemble RPM? Ici vous avez le lien, je vous le mettrai tout à l'heure dans le chat. On le regardera tout à l'heure dans le détail au niveau de l'interface. RPM, il s'agit simplement d'un outil en ligne qui permet de paramétrer les plans de réponse et tout ce qui touche aux objectifs, aux indicateurs, au secteur et à tout ce qui va toucher aussi le monitoring pour un pays donné et pour une année donnée. Donc là, moi, la capture d'écran que j'ai faite, c'est celle qui est rattachée à mon compte, dans lequel j'ai accès au plan du Tchad où j'étais avant et puis au plan du Cameroun. Donc l'interface ici, elle est personnalisée en fonction des droits d'accès de chaque personne. Humanitarian Action, c'est un autre site que nous verrons à la fin de cette mini-formation. Humanitarian Action, c'est simplement le site vitrine. Donc RPM, on va dire, c'est toute l'interface qui permet de paramétrer. Donc les techniciens peuvent venir y insérer les informations, les données, etc. Et Humanitarian Action sera plutôt le site grand public qui permet de visualiser les données de RPM. On verra tout ça tout à l'heure dans le détail, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Humanitarian Action. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, donc il y a 3 ans en arrière à peu près, 4 ans, ça s'appelait Humanitarian Insight et ils ont renommé le site de Humanitarian Insight en Humanitarian Action fin 2022. Alors, au niveau de RPM, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que le cadre stratégique du HRP, si vous prenez le document du HRP, vous verrez que le HRP est décomposé par secteur, c'est vrai, mais aussi avec les grands objectifs stratégiques qui sont déclinés pour chaque secteur.
Et en fait, RPM reprend exactement la même structure. C'est qu'on retrouve un cadre dans lequel on retrouve nos objectifs stratégiques, et c'est ce qui permet de guider l'ensemble du cycle et du processus, dans lequel on retrouve donc les objectifs stratégiques, les sous-objectifs, les indicateurs qui vont avec. Et puis, au-delà de la stratégie, on retrouve toute la partie opérationnelle, avec le niveau des secteurs et des clusters, avec également leurs objectifs, les objectifs sectoriels, les activités et les différents indicateurs qui s'appuient sur chacun des niveaux. L'outil RPM, donc Response Planning and Monitoring Tool, il permet donc la création et tout ce qui est le suivi de ce cadre logique, de ce cadre stratégique, que ce soit au niveau stratégique avec des indicateurs de haut niveau, ou que ce soit d'un point de vue purement d'implémentation des activités. Et le monitoring peut être fait sur des périodes spécifiques de monitoring. Au Cameroun, actuellement, on est sur une période trimestrielle, mais on peut très bien choisir et paramétrer des périodes de monitoring qui seraient au niveau mensuel, par exemple. Et donc, pourquoi RPM existe? C'est parce qu'auparavant, chaque pays avait plus ou moins son outil à travers Word et Excel, et que c'était compliqué à utiliser, et que RPM permet de simplifier le processus de coordination entre les différents acteurs et de permet aussi de centraliser toute l'information dans une seule et même plateforme avec des interfaces en ligne simples d'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans RPM? On retrouve le plan pour le pays et pour l'année en cours. On retrouve le cadre stratégique avec les objectifs et les indicateurs qui vont avec. On retrouve la liste des clusters et des secteurs qui sont actifs et activés dans le pays. On retrouve les cadres sectoriels. Dans les cadres sectoriels, on retrouve les indicateurs, les cibles, et puis on retrouve également toute la partie monitoring et suivi de la réponse. Quels sont les avantages à utiliser RPM? Donc ça permet de réduire le temps passé à gérer le processus, plutôt que de gérer les templates Excel, les partager, compiler, etc. Ça permet d'avoir une interface et une base de données déjà toute prête, et on a tout le monde qui peut venir, enfin les points focaux qui peuvent venir intégrer les informations dans l'outil. Donc on n'a plus besoin d'outils annexes, on optimise le partage d'informations. Ça permet de donner du sens aux données du HPC parce qu'elles sont au moins consultables et digérables en ligne plutôt que dans des fichiers qui sont séparés et simplement dans des emails et tout. Ça permet de centraliser tout ce rapportage et ces informations pour pouvoir être réexploité et mettre en valeur ces informations à travers d'autres outils grâce aux différentes API qui existent. Et par la même occasion, ça nous permet d'avoir une meilleure standardisation dans la collecte des données, puisque l'outil permet de cadrer davantage ce que l'on souhaite, à la fois au sein d'un pays, entre les secteurs, mais aussi entre les différents pays. Donc ça permet de faire plus avec les données. Les données dans Excel et Word sont verrouillées et très difficiles à réutiliser. Alors qu'avoir les mêmes données qui seraient en ligne permettent du coup d'avoir une sorte de HRP en ligne et dynamique avec une mise à jour régulière possible. Alors on n'en est pas encore là, mais c'est plus ou moins la tendance que l'on cherche à avoir. Plutôt que d'avoir un HRP et un document imprimé une fois dans l'année, on aimerait que le HRP soit un peu plus dynamique dans le sens où on aimerait des adaptations de contexte en cours de cycle. Le processus actuel prévoit des révisions du HRP, mais ça reste des procédures qui sont lourdes parce qu'on veut forcément du narratif et des documents qui vont avec, alors qu'avoir quelque chose de tout en ligne avec une mise à jour au cas par cas, au niveau mensuel ou au niveau trimestriel des données de ciblage permettrait d'être un peu plus flexible. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé la semaine, pas la semaine dernière, cette semaine. Le secteur nutrition nous a dit que l'enquête Smart était enfin sortie. Ils ont récupéré les données de l'enquête Smart. Le secteur nutrition aurait voulu les avoir au mois de novembre-décembre pour affiner leur planification 2023. Malheureusement, ces données arrivent au mois d'avril.
Et les tendances qu'ils avaient plus ou moins estimées au mois de décembre ne sont pas du tout alignées avec les données qui ressortent de la Smart 2023. Et ils nous ont demandé, est-ce qu'il est possible de pouvoir changer les données de la nutrition avant que vous fassiez le lancement du HRP, parce que malheureusement, il n'est toujours pas lancé. Et on leur a dit, oui, on peut changer, si vous voulez, et c'est logique de changer son cadre sectoriel pour le secteur nutrition. Mais malheureusement, même si la nutrition change son cadre sectoriel pour s'adapter au contexte des données, donc c'est tout à fait logique de répondre plutôt au contexte plutôt que de s'aligner sur un document. Donc eux, ils vont s'adapter au contexte dans leurs interventions. En attendant, le document du HRP ne prendra pas en compte les modifications parce que ça arrive trop tard. Tous les HRP sont déjà imprimés à 10 jours, 2 semaines du lancement. Donc voilà, tout ça pour dire que utiliser et avoir ces données en ligne nous permettrait d'avoir plus de réactivité et de flexibilité dans l'ajustement de la réponse en cours de cycle. Donc RPM permet de faciliter le rapportage puisque c'est centralisé avec une interface. Le cadre sectoriel est partagé et visible de tous, et notamment des bailleurs. Très souvent, les bailleurs vont approcher les secteurs et leur demander, ah, mais est-ce que vous pouvez nous partager votre cadre sectoriel, etc. Grâce à RPM, une fois que c'est centralisé et grâce à Humanitarian Action, toutes ces informations peuvent être partageables et visibles à l'aide d'un seul lien. Il me semble avoir entendu Charles qui nous rejoint ici. Et hop. Désolé, j'ai perdu. Non, bon, c'est pas grave. Et l'autre avantage, enfin, c'est que ça permet de centraliser le stockage des données dans un outil, un serveur qui est en ligne et commun pour tous les pays du monde, contrairement au fichier Excel qui, très souvent, les données, bon, on les retrouverait de fait dans le document PDF du HRP, mais les données auparavant se retrouvaient dans des fichiers Excel et ensuite ça partait aux oubliettes et ce n'était pas valorisé. Aujourd'hui, grâce à RPM, ça nous permettra d'avoir un historique des données qui soit sauvegardé dans le temps et qui permettra, au bout de quelques années, de pouvoir faire des analyses sur les tendances. Et enfin, une visualisation des données qui est facilitée à l'aide de tableaux de bord grâce aux différentes API qui existent entre RPM et Humanitarian Action, ou tout simplement les API de RPM qui permettent une réutilisation des données. Au niveau des fonctionnalités de RPM, on retrouve donc tous les éléments du HRP, à savoir la structure du cadre logique. Et donc ça permet de pouvoir configurer tous les éléments du HRP d'un pays, avec le pays, les entités géographiques du pays, l'année, tout ce qui touchera aux périodes de rapportage pour le cycle, lister les clusters qui sont actifs, etc., etc. L'outil permet aussi de faire un contrôle de l'accès des différents utilisateurs en fonction des profils. Par exemple, on a des profils de personnes au niveau du siège qui peuvent avoir accès à tout. Au niveau d'un pays, au niveau de OCHA, nous, on a accès uniquement aux informations de notre pays, mais pour tous les secteurs. Et il y a des profils qui existent plutôt, qui sont de votre niveau à vous, qui vous permettent de pouvoir paramétrer les éléments de votre secteur à vous, dans le pays dans lequel vous travaillez. L'outil permet la gestion des indicateurs et ceci à partir d'un registre des indicateurs. Et tout ça peut être entièrement paramétrable, customisable. L'outil permet aussi de définir des modèles de désagrégation pour tout ce qui est ciblage et pour le rapportage. Avec tout type de désagrégation possible que l'on verra tout à l'heure dans le détail, où toutes les combinaisons sont possibles. On peut créer n'importe quelle structure. Aujourd'hui,
Si vous prenez les cadres sectoriels qui ont été développés en novembre-décembre 2022 pour le HRP 2023, vous verrez que quasiment tous les secteurs se sont basés sur un template qui existe depuis 2015, un fichier Excel dans lequel on retrouve pour un secteur donné la liste possible des objectifs et des activités sur lesquelles pour chacun d'entre eux on peut mettre seulement jusqu'à deux indicateurs. Et chacun des indicateurs, en termes de structure, on retrouve simplement un niveau de désagrégation par zone géographique de niveau 1 pour les objectifs et de niveau 2 pour les activités, et puis une simple désagrégation par sexe, homme-femme, total. Donc tout ça, c'est totalement obsolète. On peut très bien combiner plusieurs choses. Les exemples que j'ai pris en compte, c'est que de plus en plus, on essaie d'avoir des focus aujourd'hui sur les groupes de population, IDP, réfugiés, communautés hôtes. Ça, l'ancien modèle dans Excel ne permet pas, enfin, pourrait permettre si on faisait ce travail de modification du template. Mais ça devient totalement inutile de faire ce travail-là dans un fichier Excel, puisque l'outil RPM permet de gérer cela de manière beaucoup plus efficace. De même que l'outil auparavant Excel avec une désagrégation par sexe permettait de répondre à un besoin de standardisation pour tous les secteurs. Or, aujourd'hui, on se rend compte que certains secteurs ont des besoins spécifiques et particuliers. Par exemple, le shelter va plutôt travailler avec un niveau ménage. L'éducation va travailler et avoir un focus, non pas seulement par groupe d'âge type enfant, adulte, personne âgée, mais l'éducation va même désagréger plus loin le groupe des enfants, avec les enfants qui vont dans le préprimaire, le primaire, le secondaire, le tertiaire. Donc chaque secteur a son propre besoin. Donc nous, on essaie de pousser pour que la désagrégation soit adaptée au contexte et au secteur. Mais s'assurer aussi qu'à la fin, pour les analyses intersectorielles, on ait des dénominateurs communs minimum, à savoir une désagrégation par statut, par sexe et par zone géographique. Donc l'outil permet aussi, en termes de fonctionnalité, de gérer les caseloads des différents secteurs. Donc, ce sont les au-delà des indicateurs et des activités et des objectifs, on a simplement les chiffres clés sur le nombre de personnes dans le besoin et le nombre de personnes ciblées pour un cluster, un secteur donné. L'outil permet aussi une visualisation rapide ou une extraction des données dans des fichiers Excel. On reviendra dessus. Et l'outil permet aussi d'avoir des API qui permettent d'interroger et d'accéder aux données de la base de données. Je m'arrête là pour la partie théorique de RPM. On va passer maintenant sur l'aspect pratique directement à travers l'interface. Donc là, moi, je me suis déjà connecté, mais si vous prenez, je vais vous donner le lien, normalement, certains d'entre vous ont déjà accès à RPM dans le cadre du HRP 2023. Vous devriez déjà avoir accès aux informations du plan de réponse 2023. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi et en fonction de votre profil, on vous donnera accès. Sinon, vous suivrez simplement pour information ces éléments-là. Donc quand vous vous connectez, vous avez accès à la liste des plans qui sont accessibles pour votre profil. Donc moi, j'en ai un certain nombre, puisque ça fait un certain nombre d'années que je paramètre les plans de réponse. Probablement, pour la majorité d'entre vous, vous aurez accès aux plans de Cameroun 2022 et 2023. On retrouve ici les boutons qui nous permettent d'accéder aux éléments de planification, aux éléments d'extraction et aux éléments de monitoring. Donc, je reviendrai sur le monitoring en deuxième partie. Sur tout ce qui est output, je vous laisserai regarder, hein. Il s'agit de différentes extractions en format Excel et peut-être parfois en format PDF de tous les éléments. Donc, vous pourrez y jeter un œil avec les extractions simplifiées ou les extractions complètes
des données de la base de données, donc à savoir en gros tous les indicateurs de tous les secteurs sont combinés, peuvent être combinés dans un seul extraction fichier Excel. Donc ce qui fait que quand on a 8 secteurs et que chaque secteur a en moyenne 5 objectifs, probablement autant d'indicateurs sur les objectifs et une 10 douzaine d'activités et probablement une vingtaine d'indicateurs sur les activités, ça peut très rapidement faire des centaines de tableaux de tableaux de chiffres. Alors, dans la partie planification, on va aller faire un tour. C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est, hop là, on va revenir. C'était à la fois la partie planification pour que vous compreniez dans quoi s'inscrit RPM, bien que le focus sera sur la partie monitoring. Mais pour comprendre pourquoi le monitoring fonctionne comme ça, je voulais revenir aux bases de la partie de la planification. Donc ici, on retrouve l'interface de paramétrage d'un plan de réponse pour une année donnée. Donc ça, je vous le donne à titre indicatif. C'est OCHA qui s'occupe de faire ce travail-là. Et plus on avance dans les étapes du paramétrage, plus on descend dans les niveaux. Et il y a un niveau qui vous concernera, vous, c'est au niveau sectoriel et au niveau des clusters, tout en bas. Donc pour information, ben c'est ici qu'on va paramétrer en créant le plan pour le Cameroun, pour l'année 2023, avec quelques éléments complémentaires d'information. C'est ici que l'on va paramétrer le pays et qu'on va donner la structure et la liste de toutes les zones géographiques par région, admin 1, département, admin 2, etc., etc. C'est ici qu'on va paramétrer les périodes de monitoring. Donc, le groupe de travail du HPC au Cameroun fait le choix d'avoir 4 périodes de monitoring chacun des 4 trimestres de l'année. On pourrait très bien choisir une période de monitoring et de rapportage qui se ferait de manière. Ah, c'est bloqué ici. C'est pas grave. De manière mensuelle, de manière semestrielle, de manière plus ad hoc. On peut peut-être prévoir tous les 4 mois, donc 3 rapportages par an plutôt que 4 rapportages de 3 mois, etc., etc. Tout est possible dans le paramétrage du plan. La désagrégation, donc ici on paramètre des modèles de désagrégation. Je vais m'arrêter un peu là-dessus. Un modèle de désagrégation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un modèle de structure de données. Par exemple, dans l'outil de vos cadres sectoriels que vous avez utilisé pour vos secteurs respectifs en novembre-décembre 2022, la structure qui était définie, c'était un niveau avec les régions, admin 1, et une désagrégation par sexe, homme-femme total, pour vos indicateurs sur vos objectifs. Et puis, je vais d'ailleurs reprendre ça sous les yeux pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Je dois en avoir un qui doit dater de quelque part. Peut-être. Voilà, j'ai celui du shelter sous les yeux. Donc c'est un document normalement qui ne devrait pas vous être trop familier. Donc ça, je rappelle, c'était un template qui avait été développé en 2015, si je ne me trompe pas. Et dans lequel on retrouve donc une possibilité d'insérer des activités, des indicateurs sur des activités. Et la structure qui avait été définie à l'époque, c'était par département, niveau admin 2, ici, et avoir dans chaque tableau une désagrégation par sexe, homme-femme et total. Et donc, on demande à chaque secteur de compléter ces tableaux-là. Donc en fait, le modèle de désagrégation qui est possible de paramétrer dans RPM permet de faire toutes les combinaisons possibles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'avais créé par exemple un modèle de désagrégation qui ressemble à ça, c'est-à-dire on prend la liste des régions du Cameroun et on donne juste un simple total. On peut très bien avoir la même chose avec la liste des départements de tout le pays et avoir une seule colonne pour renseigner le total. On peut avoir la même chose avec tout ce qui touche les districts sanitaires.
On peut avoir le poids, et ça c'est le cas pour la santé et la nutrition, où ils travaillent plutôt par entité de district sanitaire plutôt que les entités administratives. On peut avoir une variante qui consiste à prendre les régions du pays avec la possibilité d'avoir une désagrégation par sexe, homme-femme total. On peut combiner la même chose avec le niveau admin 2, etc., etc. Je ne vais pas tous les passer, mais je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire. Par exemple, ici, on a une combinaison des départements, donc zone géographique, ici. Et puis, dans les colonnes, on retrouve la désagrégation par âge, enfants, garçons et filles, et personnes âgées et adultes, hommes, femmes, etc., etc. Donc, on peut vraiment tout compiler. Alors là, je crois que j'ai aussi des trucs par statut. Au niveau des statuts, toujours pareil, zone géographique, les statuts, IDP, réfugiés, communauté hôte, retournés, personnes avec people with disabilities, personnes avec handicap, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut vraiment tout paramétrer. Donc ça, ce sont des exemples que j'avais faits. Et ces modèles-là permettent d'être réutilisés par vous-même. C'est-à-dire qu'une fois que on crée les modèles spécifiques, alors on pourrait se mettre d'accord sur un modèle qui doit être utilisé pour tout, mais ça ne fait pas de sens pour tous les indicateurs. Si je prends l'exemple de nouveau de l'éducation, on ne pourrait pas se dire ah, on utilise un seul modèle et tout va bien. Si je prends un exemple d'un indicateur sur les salles de classe réhabilitées, bon, ben, une salle de classe réhabilitée, on peut okay, se mettre d'accord sur le niveau géographique, admin 1 ou admin 2, très bien. Et une fois qu'on a fait ça, on ne va pas avoir de désagrégation par statut ou par tranche d'âge ou quoi que ce soit. C'est juste un total. C'est un nombre de classes qu'il nous faut. En revanche, si on prend un autre indicateur de l'éducation qui sera sur le nombre de, j'en sais rien, nombre de kits scolaires qui ont été distribués ou le nombre d'enfants appuyés qui ont été appuyés pour l'aide à l'éducation formelle ou informelle, etc. Peut-être que là, on va chercher un peu plus. On va vouloir regarder un peu plus dans le détail entre les garçons et les filles. Qu'est-ce qui se passe? On va vouloir aussi avoir des informations par statut de IDP, de réfugiés, retournés, communauté hôte, et puis aussi par tranche d'âge au niveau pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire. Donc là, l'éducation peut très bien avoir une structure qui soit beaucoup plus complexe à mettre en œuvre sur certains indicateurs, mais pas pour tous. Donc ces modèles de désagrégation sont hyper importants à avoir en tête parce que le RPM permet vraiment de pousser au maximum le paramétrage de chaque indicateur, contrairement à la structure du fichier Excel qui était très rigide et qui ne permettait pas d'être aussi précis. Donc voilà pour information. Donc ici, il s'agit simplement de créer des structures. Et ces structures-là permettent d'être réutilisées et d'être sélectionnées pour les indicateurs que l'on verra ensuite. Les autres éléments que l'on peut paramétrer, conditions humanitaires, je passe, ça c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Objectifs stratégiques, il s'agit simplement de. Oups, ça va bien s'afficher. Objectifs stratégiques, il s'agit simplement de lister les objectifs stratégiques qui ont été définis dans notre plan de réponse du HRP. Et pour chaque objectif stratégique avec le libellé, on a la possibilité de rattacher des caseloads de nombre de personnes dans le besoin. On a la même chose avec les objectifs spécifiques qui sont des sortes de sous-objectifs. Pareil, ça ne fait que lister les objectifs. Et on verra pourquoi ils sont sauvegardés ici, parce que ça permet d'être réutilisé ailleurs. On verra ça tout à l'heure à travers Humanitarian Action. Et enfin, on arrive au paramétrage des secteurs du plan de réponse. Donc ici, on va créer, définir les secteurs qui sont les clusters qui sont activés dans le pays. Pour chacun d'entre eux, on va définir une codification, un nom, un tagging, etc., etc. On va pouvoir aussi définir les points focaux avec les contacts, etc., etc. On a un certain nombre d'informations qui sont possibles de compléter avec les caseloads aussi. Quand on a le pin et le target pour chaque secteur, ce sont des informations qu'on retrouve effectivement dans le document du HN ou HRP, mais ce sont des données qu'on peut retrouver
ici aussi. Donc, si je reprends l'exemple de l'éducation, l'éducation dans le cadre du. Qu'est-ce que c'est que ça? Azov, bizarre. Dans le cadre du HNO HRP 2023, ils ont identifié 1,4 million de personnes dans le besoin, 1,1 million de personnes ciblées, et on peut également voir la désagrégation et le détail de ces des données de l'éducation, où ici on voit qu'on a une désagrégation par zone géographique des niveaux 1, région, et puis par groupe de population avec besoin, ciblage, etc. Et ça pour tous les secteurs. Donc ici, il s'agit vraiment des éléments de haut niveau pour le secteur. Et puis ensuite, on peut descendre dans le détail sur ce que représente votre cadre logique sectoriel, à savoir les objectifs sectoriels pour chacun d'entre eux et les indicateurs qui se rattachent à chacun des objectifs. Et sous chaque indicateur, on retrouve nos modèles de désagrégation. Par exemple, ici, pour la sécurité alimentaire, on retrouve un indicateur sur le nombre de personnes ciblées qui sont en insécurité alimentaire et qui reçoivent l'appui en assistance alimentaire à travers en nature ou à travers le cash. Et on retrouve ici tous leurs cadres sectoriels et leurs chiffres de ciblage. Ça, c'est important de l'avoir en tête. La structure, le ciblage, parce que ça va avoir un impact sur la partie du monitoring. Donc voilà pour, je pense, dans les grandes lignes. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail sur chacun des éléments. Vous voyez, d'un point de vue interface, ce n'est pas super, super joli, ce n'est pas vraiment digérable comme information, mais ça a le mérite d'être assez simple. De pouvoir facilement retrouver l'information, où ça descend de niveau en niveau. On a des boîtes et des containers, donc on paramètre et on met l'information ici. C'est vraiment une interface de paramétrage. C'est avant tout le but premier de RPM. J'ai oublié sans doute un niveau ici pour les activités sectorielles. On retrouve la même chose hein, avec la liste des activités pour chaque secteur. Par exemple, pour la protection, je sais qu'on retrouve des activités en HLP, en GBV, en Child Protection, en General Protection, etc., etc. On a toutes les activités qui sont ici, qui sont listées. Et pour chaque activité, on retrouve le rattachement avec les objectifs sectoriels au-dessus et on a les indicateurs qui nous permettent d'avoir accès aux données désagrégées. OK, donc ça, c'est les deux niveaux différents de vos cadres sectoriels, le niveau activité et niveau objectif. Je fais un petit aparté sur les activités. Rappelez-vous, les activités ici, on les avait saisies parce que ce sont des activités qui réapparaissaient dans le module projet. Quand les partenaires ont soumis leur projet, à un moment donné dans l'interface, quand un partenaire soumet un projet, il doit sélectionner la liste des activités sur lesquelles il compte mettre en œuvre à travers son projet. Mais la liste de ces activités-là, en fait, elles sont stocké dans RPM, et quand le partenaire doit saisir ses cibles spécifiques pour telle ou telle zone, ben le système en fait réutilise exactement les éléments que l'on retrouve ici en termes d'indicateurs et de nombre de personnes qui sont ciblées pour l'activité dans tout le pays ou à travers la désagrégation spécifique pour chacune des zones géographiques. Donc on voit ici un premier lien entre RPM et le module projet, donc toutes les informations du cadre sectoriel qui sont dans RPM permettent d'être réutilisées à travers un autre module, en l'occurrence ici le Project Module. Est-ce que j'ai d'autres éléments à donner sur la partie objectif sectoriel activité? Oui. Actuellement, d'un point de vue intersectoriel et d'un point de vue purement méthode de rapportage, le niveau qui nous intéresse de rapportage, c'est le niveau des objectifs sectoriels. Donc, c'est-à-dire un niveau stratégique un peu plus élevé que la simple activité. On pourrait rapporter
sur les activités, sauf qu'on considère que ce n'est pas forcément le travail de OCHA ni de l'intersecteur de faire le suivi des activités. On considère que chaque secteur et cluster fait déjà ce travail à travers leur 5W. Donc, on ne souhaite pas faire du double rapportage inutile. Donc, tout ce qui est activité sectorielle dans RPM, ça permet d'être saisi ici pour information et d'avoir une connaissance et un stockage du cadre sectoriel, mais on n'utilise pas RPM pour faire le monitoring dans le cadre des activités. On permet, alors c'est possible, hein, si un secteur souhaite le faire, il peut, mais l'information minimale que l'on demande à avoir, c'est au niveau des objectifs sectoriels. Donc un plus haut niveau, généralement, on utilise les données collectées à travers les 5W par activité réalisée pour alimenter les objectifs sectoriels. Donc il y a une certaine logique d'emboîtement, mais on n'oblige pas forcément le rapportage des données des 5W dans la section activité sectorielle, tout en sachant que le siège travaille et développe un outil de 5W qui sera intégré à RPM. On ne sait pas quand encore, moi ça fait 1 an ou 2 ans que j'en entends parler. On espère que ça arrivera en 2023. Peut-être que ça sera plutôt pour 2024. Mais l'avantage que ça aura, c'est que du coup, on n'aura plus forcément d'outils de Excel et qu'on aura pareil une interface qui permettra de standardiser un peu la collecte de données sur les 5W entre les différents secteurs. Et ça permettra d'avoir un seul et unique outil qui appuiera l'ensemble du processus sur la partie planification et aussi sur la partie suivi, monitoring jusqu'au niveau des activités. Donc là, je n'ai pas plus d'éléments actuellement. Je sais que c'est en cours de développement et de proposition. La suite, on verra en cours d'année ou même en 2024 ce qui sera possible de faire. Je crois que je vais m'arrêter là sur tous les aspects de RPM sur la partie planification, paramétrage du plan. Maintenant, je vais vous montrer toute la partie monitoring et vous verrez que c'est hyper rapide puisque une fois qu'on a compris comment on paramètre et pourquoi on paramètre, le monitoring en fait ne fait que suivre le même modèle. Donc je reviens sur ma page d'introduction de RPM et dans lequel je retrouve le monitoring. Alors pour information, le monitoring, en fonction des années, on retrouve plusieurs choses. On retrouve le monitoring donc de plusieurs périodes. En 2022, on a fait trois périodes différentes, à savoir première période, c'était le premier semestre, et ensuite deuxième période, c'était le troisième trimestre, et troisième période, c'était le quatrième trimestre. Pour 2023, on espère avoir quatre périodes pour le coup, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Actuellement, ce qui nous intéresse, c'est le monitoring pour le premier trimestre. Donc, de quoi il s'agit dans l'interface de RPM? Il s'agit simplement d'aller saisir ou copier-coller les données des indicateurs et des caseloads qui ont été compilés par chaque secteur. Donc ici, on voit que l'interface propose beaucoup de boutons et de différents niveaux. Celui qui vous intéresse, vous, ce sera celui au niveau des objectifs sectoriels et des secteurs. Je vérifie pour les secteurs. Voilà. Pour les secteurs, il s'agit de donner en gros le nombre de personnes atteintes pour l'ensemble de la période, tout compris, tout cumulé, c'est-à-dire le nombre de personnes uniques atteintes sur l'ensemble de la période. Donc on a la possibilité de renseigner une valeur pour le premier trimestre et puis aussi la désagrégation par zone géographique, par statut. Enfin, là, cette structure-là dépend de ce qui a été paramétré dans votre interface, dans votre structure. Donc ça, c'est l'ensemble des activités et des objectifs qui permettent d'alimenter le caseload global final entre le PIN, le target et le nombre de personnes atteintes en cours de la période. Vous avez également la partie sur les objectifs sectoriels sur lesquels vous pouvez retrouver votre secteur, par exemple la santé, et sur lesquels ben, vous retrouvez vos différents objectifs
Et pour chaque objectif, pareil, il vous faut compléter, renseigner la mesure de désagrégation. Alors ici, j'ai pris un exemple, peut-être c'était pas le meilleur sur la santé. On va prendre la sécurité alimentaire. Voilà, sur la sécurité alimentaire, on a un indicateur sur le nombre de personnes ciblées qui sont en insécurité alimentaire et qui ont reçu de l'assistance en nourriture. Pour une cible totale de 5 millions de 512 000 personnes, la mesure du trimestre est de temps et on peut renseigner la désagrégation. Alors ici, vous voyez le tableau. C'est les tableaux de la mesure pour le trimestre 1. Si jamais vous voulez voir quelles étaient les cibles pour l'année qui était définie, vous pouvez utiliser les petits boutons ici qui permettent de montrer le ciblage. Ça vous permet de mettre en relation la mesure avec le ciblage qui avait été défini dans le cadre de réponse. Toutes ces données qui sont déjà dans le système, ce sont des données que soit OCHA, soit certains secteurs ont déjà renseignées. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez utilisé tous les cadres sectoriels, enfin le cadre sectoriel de votre secteur qui avait été travaillé avec vos coordos et puis le groupe de travail. Et vous avez dû faire sans doute, vous vous rappelez, des copier-coller pour renseigner tous les tableaux de chiffres de planification. Ce sont exactement ces chiffres qu'on retrouve. Pour le monitoring. Donc comment ça se passe concrètement? Ça ne veut pas dire qu'en ayant RPM, ça simplifie le travail et qu'on n'a plus besoin d'avoir Excel. Non, il y a très souvent un travail intermédiaire dans Excel qui permet de faciliter la collecte et compilation des données. On utilise les 5W qui permettent de compiler au niveau des activités. Les activités renseignent vos indicateurs et de vos objectifs sectoriels toujours à travers Excel, vous pouvez compiler vos données et les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez ressortir les informations qu'il vous faut et ensuite, une fois que vous avez ces tableaux, copier-coller dans RPM et vous sauvegardez les informations de monitoring là-dedans. Alors, il peut arriver que certains indicateurs ont été sélectionnés en début de cycle pour la planification et que finalement ils ne sont pas suivis. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à soit laisser vide, soit à nous le dire et comme ça on supprime l'indicateur du cadre sectoriel. Ce n'est pas la peine d'avoir des indicateurs de cadre sectoriel qui ne sont pas suivis. Autant avoir moins d'indicateurs qu'on les suive tous plutôt que beaucoup d'indicateurs et qu'on n'en suive qu'une moitié. Et jamais au niveau structure qui a été défini. Par exemple, là, le modèle de désagrégation qui avait été donné sur la sécurité alimentaire, ils avaient fait le choix d'avoir un nombre de personnes, hommes et femmes, total. Si jamais ils se rendent compte que c'est insuffisant et qu'ils aimeraient avoir plus d'éléments sur, par exemple, par statut ou quoi que ce soit, eh bien, on pourra toujours modifier. Alors, ça veut dire qu'il faut revenir à l'étape de planification, mais on peut revenir en arrière et remodifier tous ces modèles de désagrégation pour coller à votre monitoring. En théorie, c'est l'inverse, c'est qu'on s'assure en début de cycle de la structure et ensuite on cadre notre monitoring par rapport à la structure définie. Mais parfois, voilà, en cours de cycle, on se rend compte que ça peut être compliqué ou qu'on n'a pas l'information. On peut redéfinir la structure si besoin. Je pense que c'était tout ce que j'avais besoin de vous montrer sur RPM, à la fois sur l'aspect planification, comment on en vient à avoir nos modèles de désagrégation et nos structures de données, le lien entre les secteurs, les indicateurs, les objectifs et les activités, etc. Le monitoring qui colle à toute cette planification. Maintenant, je vais rapidement, en moins de 5 minutes, vous montrer, en fait, une fois que toutes ces données sont dans RPM, comment on peut les réutiliser. Et notamment à travers Humanitarian Action. Alors, Humanitarian Action, je vous ai mis le lien. Donc, Humanitarian Action, pour rappel, c'est la plateforme qui est la sorte d'interface qui permet de consulter, visualiser les données de RPM, entre autres. Ce n'est pas juste une interface de visualisation de RPM, c'est une interface qui va plus loin que ça, puisqu'on peut connecter les données de RPM, mais on peut aussi connecter des données de FTS sur la partie financement et toute autre information qui viendrait d'ailleurs.
Ce site-là, il est international au niveau global, donc chaque pays a sa propre page. Pour aller la chercher, il suffit d'aller dans les opérations. Dans les opérations, on a la liste de tous les pays, de toutes les régions. Voilà, il suffit de sélectionner celle du Cameroun ici. Pour le Cameroun, donc pareil, on a une page et chaque page est dédiée par rapport à un cycle spécifique. Donc ici, on a notre page 2023 avec très peu d'informations puisque notre HRP n'était pas encore lancé en 2023 au Cameroun. On n'a pas trop d'informations qui sont publiques pour le moment. On va les voir pour 2022. Donc il est possible de paramétrer des pages différemment d'une année à l'autre. Il faut le voir en fait ce site-là comme une sorte de HRP allégé en ligne. Donc on ne retrouvera pas toute la partie narrative, c'est pas le but, mais on retrouvera toute la partie des tableaux synthétiques du HRP à travers un seul lien. Donc par exemple pour 2022, on retrouve ici nos populations, nombre de personnes dans le besoin, personnes ciblées, nombre de personnes atteintes, le pourcentage. On retrouve quelques statistiques au niveau des financements qui proviennent de FTS. On retrouve des éléments sur du module projet avec les nombre de partenaires et le nombre de projets qui ont été soumis, etc., etc. On retrouve aussi des éléments sur les objectifs stratégiques. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Les objectifs stratégiques, quand on les paramètre. Alors, hop, pas ici, ce sera plutôt là. Vous voyez, on avait saisi nos trois objectifs stratégiques dans le plan et nos quatre objectifs spécifiques. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Dans le libellé de nos objectifs stratégiques. Ici, ce n'est pas une interface sur laquelle on a créé du HTML en mettant le texte, non, c'est juste connecté à RPM et automatiquement récupère l'information. On retrouve une carte, parce qu'on a défini des zones géographiques, donc pour le Cameroun, avec tout plein de données concernant la population, les populations affectées, les populations dans le besoin, les populations ciblées et les personnes atteintes. Donc tout ça, c'est grâce aux données et aux différents tableaux qu'on retrouve dans RPM sur lesquels on retrouve les pins, les targets. Et au fur et à mesure du rapportage dans l'année, ça nous permet d'avoir cette agrégation de données qui est faite et qui peut être visualisée dans une cartographie web mapping. On retrouve aussi tous les éléments de chaque secteur, cluster, où on retrouve les pins, les targets, les personnes atteintes. Et pour chacune d'entre elles, on peut retrouver aussi la désagrégation. Rappelez-vous, donc ici on a une désagrégation homme-femme, IDP, communauté hôte, etc. Tous ces chiffres-là, ce sont exactement ceux qu'on a dans les tableaux de chiffres désagrégés. Alors peut-être pas ici, parce que c'est le sector details. Si je viens ici sur la sécurité, hop. Pour la sécurité alimentaire, par exemple, on a le caseload ici. Voilà tous ces chiffres qu'on a ici. Donc, de manière moins jolie dans RPM, mais qui a le mérite de pouvoir avoir une interface qui permet de saisir tous ces chiffres-là, c'est ce qu'on va retrouver ici. Pour 2022. Etc. Etc. On a quoi? On a aussi des. Donc, tous ces tableaux-là, c'est une suggestion de présentation en 2022, c'est comme ça que ça a été fait, mais en fait, vu qu'on peut se connecter à tout, on peut vraiment imaginer de paramétrer toutes les pages sectorielles en fonction des informations que vous avez dans RPM ou à travers d'autres plateformes. Je remonte un peu parce qu'ici, il y avait la possibilité de sélectionner les clusters. Par exemple, si je prends le Refugee Response. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était le plan overview au niveau intersectoriel, au niveau global, mais il est possible aussi d'avoir spécifiquement la page et les données pour un secteur donné. Par exemple, ici, Refugee Response, on se retrouve à avoir les données clés de PIN et de target pour le secteur Refugee Response. Il est aussi possible d'avoir donc la même chose hein, sur le Humanitarian Profile. Alors là, je ne sais pas si c'est la connexion Internet. Il faut créer un compte pour avoir accès à la donnée là, parce que Non. juste en extérieur, je ne vois pas. Moi, je ne suis pas connecté ici. Donc, normalement, Ok, sur attention, ce Humanitarian n'est pas la Action, page correcte. sans doute.
Parce que là, vous voyez, je ne suis pas logué. Alors, si on peut se loguer sur cet outil pour paramétrer le rendu visuel. Mais sinon, c'est public. Ça veut dire que, par exemple, pour le shelter, si tu viens ici et que tu sélectionnes le shelter NFI, tu auras la page du shelter NFI pour 2022. Alors, peut-être toi, tu es sur 2023. Attention. Ici, n'oublie pas de sélectionner. Sur 2023, tu n'auras rien du tout. Mais si tu sélectionnes 2022, tu auras un certain nombre d'informations. Et il suffit de récupérer ce lien. Je te le mets là dans le truc. Et comme ça, tu balances ça à ton bailleur, à ton partenaire ou celui qui le demande. Et ça vous permet, en un clic, de pouvoir accéder aux données clés de votre HRP avec tout ce qui touche les besoins, le ciblage, les zones d'intervention avec des cartes, et puis à tout ce qui touchera aussi au monitoring avec le cumul et les personnes atteintes. Et puis, on a aussi la possibilité rapidement de visualiser tous les indicateurs de votre secteur. Donc, en gros, là, ça reprend votre cadre sectoriel de manière un peu plus jolie, sous forme de tableau, simple tableau. Et si vous voulez accéder à des données plus précises, ben, vous pouvez sélectionner ici. Alors, ici, il n'y a pas d'informations affichées. On va aller voir peut-être. Ici, il n'y en a pas non plus. Je vais retourner sur Food. Peut-être qu'on a des données sur le food. Hop, hop. Je vérifie ici. Non, il n'y a pas d'infos. Bon, peut-être en 2022, il n'y a pas eu de rapportage qui a été fait à ce niveau-là. Ah mais non, c'était les activités, c'est peut-être pour ça en fait. 2022. J'étais sur quoi les objectifs? Les clusters. Tout simplement, ça a été mal paramétré. Il faudrait reconnecter le API de RPM avec Humanitarian Action, c'est aussi possible. Mais bon, vous comprenez le principe, je vérifie le profile. Non, on est sur le niveau nécessaire. Donc je sais que ça a été rapporté, donc je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Probablement, c'est juste un problème de paramétrage. Mais toutes les données sont dans RPM, donc ici, ça me permettrait normalement de pouvoir visualiser les données qui auraient été rapportées ici. Donc il est possible de. Alors là ici on a aussi la possibilité, je crois, le lien avec les projets, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est le lien avec les projets et tout. On a deux niveaux 3. Ouais, on peut choisir les niveaux administratifs, les organisations par projet, etc. etc. On peut lister aussi la liste de toutes les organisations du secteur. On peut vraiment paramétrer plein de choses. Ça, c'est le siège qui a fait cette suggestion. Mais vraiment, on pourra voir dans un deuxième temps, une fois qu'on aura lancé le HRP, une fois qu'on aura des données dans RPM, si vous voulez paramétrer aussi votre page et votre sorte de HRP sectoriel en ligne, il sera possible de faire pas mal de choses avec des données qui viendraient à droite à gauche. On peut aussi rajouter, hein, je pense, c'est possible, du texte ici. L'interface se connecte juste à RPM et récupère tous les tableaux de chiffres, mais je pense qu'il est possible d'ajouter des boîtes vides sur lesquelles c'est juste du HTML et sur lesquelles on peut aussi mettre du narratif. Donc si vous voulez mettre votre chapitre sectoriel narratif en ligne, il sera aussi possible, je pense, de pouvoir mettre des copier-coller de texte et d'insérer ces boîtes-là dans l'interface. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. RPM, paramétrage d'un plan sectoriel, enfin d'un plan de réponse intersectoriel et sectoriel, préparation des modèles de désagrégation, le lien avec le monitoring et pourquoi on fait tout ça. Ben, ça nous permet de les mettre en évidence et de le rendre visible à tout le public à travers Humanitarian Action. J'ai fini avec la présentation. Je vous laisse si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on revienne sur un point en particulier. Over to you.
Essayez de regarder Mais si vous avez bien accès à aux deux plateformes. Oui, René. bon, si je note qu'il y a des erreurs dans le Humanitarian Action par rapport à notre donnée, je dois faire quoi exactement? Parce que moi, j'ai le souci que nous, ici, nous avons développé une 5W qui est très avancée parmi les autres. Ensuite, ce n'est pas nous qui avons utilisé ce système, c'est des autres collègues qui ne sont pas avec nous dans le détail quand on donne la donnée. Ensuite, je voulais voir s'il y a la possibilité, mais je dois discuter avec le collègue concerné. Mais nous avons développé une méthodologie d'identifier la bénéficiaire unique. Je ne note pas, par exemple, ici, je vois qu'il n'est pas. Il y a des données manquantes de l'Ouest, de la littorale en cours. Et bon. Ok, alors quand tu parles de données, ce serait au niveau du ciblage des targets? Non, c'était pas le ciblage, c'était la donnée qui en était enregistrée dans le 2022. Ah, pour 2022. Alors, Oui. pour être honnête, pour 2022, on reviendra pas forcément dessus vu que c'est passé. Si vraiment les chiffres de nombre de personnes atteintes à la fin de l'année 2022 ne sont pas corrects et qu'il y a de grosses disparités avec ce que vous avez, oui, on pourra les corriger. Donc je t'invite à te rapprocher de Francis et moi à Ocha. On fera la mise à jour. Mais si c'est juste des chiffres qui auraient été compilés, parce que nous, ce qu'on a renseigné dans RPM pour le rapportage pour l'ensemble de l'année, on a récupéré ce qui a été partagé par les secteurs. Je crois que c'était le mois dernier. En février ou en mars, on a collecté tout ça. Et on a récupéré à partir d'un fichier Excel qui nous a été envoyé. Donc nous, on a repris les données du fichier Excel et on a balancé ça Ah, ok. dans RPM. Ok. Bon, moi, peut-être que je dois regarder plus en détail qu'est-ce qui s'est passé exactement. L'autre question, c'était par rapport à cette RPM. On peut mettre les données de l'Excel, on peut télécharger l'Excel dans le système là, ou il faut faire le tout copier-coller toutes les données comme ça? Non, malheureusement, il n'y a pas d'outil, de fonctionnalité d'importation qui existe. On ne peut que extraire les données de RPM en Excel, mais l'inverse n'est pas possible. Du coup, il faut copier-coller chacun des tableaux. Donc, quand on fait le rapportage, on est où? Ici, quand on est dans le rapportage pour un objectif sectoriel donné, on va prendre un shelter. Ici, si tu as ton indicateur, tu ouvres, tu saisis manuellement ou tu copies-colles la mesure, donc la valeur actuelle pour le trimestre 1, et pour la désagrégation, tu copies-colles les données là-dedans. Attention que la première ligne du tableau, c'est la valeur pour tout le pays, et ensuite, généralement, c'est par ordre alphabétique des régions. Alors, ici, c'est le cas, on a un total et voilà, mais il y a peut-être d'autres tableaux sur lesquels la désagrégation, ce sera male-female total. Donc, il vous faut regarder les indicateurs, comment ils ont été structurés dans RPM et prendre de Excel par rapport à ça et faire un copier-coller du tableau, chaque indicateur, un par un. Les autres questions par rapport à ça, c'est on peut ajouter la désagrégation de la division parce que nous, ici dans le nord-ouest-sud-ouest, nous devons donner la donnée à Ocha et moi je donne dans un Excel au niveau de la division, mais peut-être que ce serait plus facile d'insérer ici. L'autre, c'est parce que nous sommes au niveau nord-ouest-sud-ouest, est-ce que nous pouvons entrer nos données? Ça va garder la donnée juste pour nord-ouest, sud-ouest, ouest, littoral. Et peut-être aussi pour continuer avec l'extrême nord, ça c'est une variante ou c'est impossible pour le système. Alors ça, c'est possible. D'un point de vue gestion des accès des données, on pourra toujours donner l'accès au shelter à 3, 4 ou 5 personnes différentes, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque secteur s'organise
comme il veut. Si Francesca veut centraliser et dire non, je veux que tout le monde envoie d'abord au niveau du secteur et que Yaoundé mette en ligne, elle peut faire comme ça. Si elle veut décider en disant René, tu fais la saisie pour le nord-ouest, sud-ouest, ouest et littoral, et Jérémy fait le reste pour l'extrême nord, vous pouvez aussi le décider ainsi. En revanche, ce qui ne sera pas possible, c'est de gérer l'accès sur les données des autres régions. Ce qu'on peut faire, nous, c'est dire, René, Jérémy, Francesca et Cyril, peut-être vous avez accès aux données du shelter dans RPM, et du coup, tout le monde a accès aux mêmes données. Donc, tout le monde peut modifier les données. Donc, si Jérémy fait un copier-coller et que ça ne se passe pas bien, et qu'il t'écrase de tes données, on n'aura pas la possibilité d'avoir le contrôle là-dessus. Mais en soi, on peut très bien travailler comme ça, sur lesquels vous pouvez avoir un indicateur que vous partagez et tu saisis les données du nord-ouest-sud-ouest et lui il saisit les données de l'extrême nord. Ouais. Non, c'est juste pour avoir une idée de comment ça marche. Et parce que l'autre chose, moi je pensais que c'est mieux pour autre chose d'avoir une place où nous pouvons partager les données. Parce que chaque fois, c'est moi qui valide les données pour le nord-ouest, sud-ouest. Chaque trimestre, je dois envoyer cet Excel à Francesca. Chaque mois, je dois envoyer un autre Excel à autre. Et c'est juste pour. Et chaque fois, je ne sais pas exactement si le collègue qui reçoit l'Excel dans Yaoundé ou ici comprend bien la différence pour nous entre la personne unique, comment faire la désagrégation au niveau de l'indicateur et tout ça. Et c'est juste plus facile pour nous, j'imagine, d'avoir un système. Si tu voulais Quand bon, explorer tu dis cette que tu mécanique. partages avec Ocha, il s'agit de la 5W, c'est ça, que tu partages avec Oui, c'est Hilam ça. et Ali, ou Mais Divine et l'équipe? oui, c'est un. Mais moi, je donne un niveau de division parce que nous avons aussi le dashboard interactif qui est au niveau de la village. Et si ce n'est pas nécessaire qu'Ocha garde le village parce que ça, c'est à nous en tant que le secteur opérationnel qui garde la donnée comme ça. Ok, ouais, non, ça fait beaucoup et c'est vrai que c'est toute la question qu'il faut se poser en fait, hein, si tout ce travail-là, on doit le maintenir ou pas, parce qu'effectivement, ça fait doublon, ça fait du double rapportage sur certaines choses. D'où l'idée que probablement en 2023 ou 2024, le siège aura travaillé sur le module de 5W, et du coup, il n'y aura qu'un seul rapportage, ça peut faciliter les choses. Ce qui est sûr, c'est que la 5W qui est partagée par les secteurs ne permettent pas, je pense, de capturer les informations du cadre sectoriel sur le nombre de personnes atteintes. Donc, dans Non, tous et les cas, moi il je faut le. n'utilise pas. Et moi je OK. n'utilise pas pour cette raison. Moi j'avais créé ma propre 5W parce que pour faire la coordination, bon, en tant qu'expérience de je ne sais pas combien d'années déjà avec le secteur abri, ce n'est pas possible d'utiliser le template de Ocha de 5W parce que nous avons besoin de la personne unique, parce que nous Exactement. avons des interventions qui sont multiples, que quelquefois il y a des ménages qui reçoivent l'abri, aussi l'article ménager essentiel. Et la deuxième chose, c'est que nous, ici, nous devons suivre la réponse au niveau de la train. Par exemple, avec les photos, avec la vérification de combien des articles la personne a acheté ou combien des articles ont été livrés. Et c'est pour ça que nous avons notre propre 5W. Mais chaque fois, nous devons faire l'extract. Bon, Francesca nous donne directement la donnée, mais à Ocha, nous faisons une extraction parce que ce n'est pas nécessaire que Ocha reçoive toutes les données à ce niveau-là. Et il y a le troisième élément que j'ai oublié de mentionner, que maintenant, je dois faire un autre extract pour le groupe transfert monétaire, le cash working group. Ça, c'est un troisième élément. Et moi, je pense que c'est le plus facile de mettre ces choses ici. Je n'avais pas noté qu'il y a la modalité d'intervention parce que nous collectionnons en cette modalité les bons, la nourriture, la
transfert conditionnel, le transfert non conditionnel, nous collectionnons toutes ces informations. Si je ne note pas que c'est présent, et je pense que ça, c'est une évolution nécessaire aussi. OK. OK, OK. Là-dessus, moi, je n'ai pas d'éléments de réponse. C'est vrai que je réfléchis, les utilisations sont différentes d'un point de vue à agrégation des indicateurs pour le suivi de la réponse et remonter au niveau stratégique et le HRP. Donc, il y a forcément une utilisation et un rapportage qui est obligatoire. Sur la partie de la 5W avec la liste des activateurs, des acteurs, pardon, partenaires, des activités qui sont menées, plus précisément où est-ce que c'est, etc. Ça, c'est plus un outil de coordination opérationnelle. Donc les deux sont complémentaires et j'aurais du mal à voir comment on peut simplifier en l'état actuel des choses. Je pense qu'à terme, il sera possible d'avoir un seul canal et toutes les informations seront renseignées au même endroit et on extraira de ça. Mais et même ça, je ne suis même pas convaincu en fait, puisqu'il y a parfois des acteurs qui ne participent pas au HRP et que c'est important pour un secteur d'avoir un reflet de ce qui est effectué. Donc j'ai bien peur qu'on maintienne malgré tout les deux systèmes. Si un secteur veut, je pense par exemple à la protection, le CICR ne fera jamais du rapportage. En revanche, le CICR participant en général au secteur protection, il y a quelques informations qui peuvent être capturées à travers une 5W protection, par exemple, et sur lesquelles on saura refléter d'un point de vue opérationnel le fait que le CICR travaille sur telle ou telle problématique. Mais on aura un peu plus de mal à capturer les chiffres du CICR là-dessus. Ça c'est clair. Ouais, j'entends la complication que ça peut engendrer pour les secteurs avec du double rapportage probablement. Même si au niveau 5W en théorie, vous devriez n'avoir que la 5W à partager. Le reste devrait être plutôt fait au niveau de OCHA si la structure est pas bonne. Mais sur le rapportage et le monitoring du HRP, celui-là, on peut pas y passer outre. Et je parle même pas là du cache, le problème spécifique entre Shelter et Cache Working Group, où oui, ça rajoute un truc par-dessus. Est-ce que l'on a d'autres questions? Réaction. Commentaire. Oui, Alix. Ouais, juste une question. Je ne sais pas si j'ai pas entendu la réponse ou je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis connecté sur la page et sur 2022, pardon. Sur Humanitarian Action ou sur exactement. RPM. OK. Non, sur Humanitarian Action. Et dans ce cas-là, on a, pour ce qui est les personnes atteintes, on n'a que Global Protection. Oui. Je dis oui, laisse-moi vérifier. Il doit y avoir une logique à ça. Mais Alex aussi, il y a seulement le nord-ouest, sud-ouest, c'est pas l'ouest, les littorales. Ça, c'est une autre chose. De cette humanitarian action, il manque l'ouest et littoral, même pour la protection. Ouest, je regarde, il n'y a rien qui a été rapporté sur l'ouest. Ça, c'est le fichier qu'on a reçu février. Sur la protection, c'est ça qu'on a reçu. Et du coup, voilà, ça. En gros, ce que vous voyez là sous les yeux dans le Excel, c'est ce qu'on a rapporté. Que la protection a un autre niveau que nous. Mais nous, nous avions reporté. C'est pour ça que moi, je suis préoccupé. Regarde, Shelter, West, tu dis. West. Il n'y a rien, il n'y a que des cibles. Il n'y a aucune mesure. Non, mais.
C'est pas possible. C'est pas Donc ça correct. n'a pas été, donc ça n'a pas été compilé. Bon, je vais parler avec plaisir. On va... Parce que moi, je n'utilise pas cette fiche-là. Oui, celui-là, en fait, c'est le J'utilise des template mails qu'on a. d'adresse. C'est pour ça. Moi, j'ai la préoccupation que des autres gens mettent des choses et ce n'est pas moi qui mets ces choses-là. Je suis. Alors, ce que vous avez sous les yeux là, le Excel, ça c'était l'outil qui avait été utilisé pour 2022 et on l'a encore utilisé en février hein, au niveau de tous les secteurs. Justement, on veut éviter ça. On veut éviter d'avoir encore de la ressaisie dans de nouveaux outils ou quoi que ce soit. Donc celui-là, moi, je le ressors pour vérifier que Humanitarian Action 2022 reflète les mêmes données du Excel. Apparemment, c'est le cas. Mais ce fichier Excel, il faut l'oublier puisqu'on ne l'utilisera plus. Ce qu'on utilisera, ce sera ce que vous rapporterez dans RPM. Donc en théorie, on devrait limiter les problèmes de partage, rapportage, compilation, puis repartage, recompilation et recopier-coller. Et en fait, au bout de trois maillons, on a vite fait de soit de faire des erreurs, soit d'oublier quelque chose. J'ai pas vraiment reçu de réponse, je crois, à ma question. Est-ce que je dois revenir Bah du sur coup, ah oui, non, mais non, du Alex. coup, si. 2022, Du on coup, va pas si, sur si. 2023. Ouais, 2022, je reprends là-dessus. 2022. On ne voit que la protection ici et je vérifie dans le fichier Excel ce qui avait été pour la protection. En fait, ce n'est pas différencié. Le fichier Excel en 2022 qui a été utilisé pour le rapportage, on retrouve tous les indicateurs de protection et je pense que dedans, D'accord. on doit retrouver tous les indicateurs qu'on prenne toute la protection en général. Non? Needs. Cluster Hour, Mainstreaming, Ok. J'ai People. une question comme ça pour comprendre. Je le vérifie, mais c'est vrai que je ne vois rien sur Housing and Property. Ici, si, c'est bon, il y a tous les indicateurs. Ici, on a du Child Protection. Voilà. Ici, c'est sur le GBV. GBV, oui, non, c'est bon. Alors, en gros, sous la protection, on a bien tous les indicateurs qui ont été mis, c'est juste que tout ressort sous la protection et les AOR ne sont pas différenciés. En revanche, Ok. pour cette année 2023, le problème ne se posera plus puisque si je reprends le plan 2023, on a une entrée protection, effectivement. Je vais venir dessus. J'y suis là. Ouais. On a une entrée protection, mais on avait bien après, rappelle-toi, tout ce qu'on avait fait pour la protection avec. Alors, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Et pour. Alors, sur les objectifs sectoriels, je pense qu'on en a certains qui comprennent GBV. Donc, c'est ça. Vous aviez. Quatre objectifs, dont certains sont spécifiques ici au GBV. Celui-là, Child c'est protection. General Protection ou Child Protection, celui-là. Non, le troisième, c'est child protection. Le troisième, c'est Child Protection. Voilà. Donc, en fait, vous aviez, et pour chacun d'entre eux, donc il y a des indicateurs, et du coup, on pourra retrouver spécifiquement les informations de chaque indicateur, et ce sera chaque AOR. Malheureusement, on n'a pas les AOR qui sont considérés comme des secteurs à part, mais on retrouve bien ces informations qui sont séparées au sein même de votre cadre sectoriel. De même Ok. pour les activités. Pour les activités, on avait une codification spécifique sur lesquelles Ouais. on avait mis normalement CA HLP, donc Cluster Activity HLP, Cluster Activity General Protection, Cluster Activity GBV, etc., etc. Ok, merci. Est-ce que l'on a d'autres questions, commentaires, réactions?
Sinon, ben, je vais vous laisser. On avait prévu un créneau d'une heure et demie, je crois. On termine 5-10 minutes un peu en avance. Donc, c'est parfait. Du coup, donc les prochaines étapes, c'est. Alors, toi, à ton niveau, René, il y a des choses à clarifier avec ton secteur. Moi, je crois que j'avais discuté avec Francesca. Elle m'avait dit que elle comptait plutôt centraliser ça et que ce serait plutôt Cyril qui appuierait les trois secteurs au niveau de. Dont le HR et le lead, multisecteur, protection et shelter. À vous de voir comment vous vous organisez. Dites-moi si vous avez des soucis d'accès à RPM. Comme ça, on regardera comment vous donner les bons droits d'accès pour la plateforme. Rapprochez-vous aussi de Ocha si vous avez des soucis et que vous avez besoin de réorientation en bilatéral sur le fait de reprendre les indicateurs, faire les copier-coller et tout et tout. Donc voilà, on reste disponible. Et puis, on s'était donné quand? Je crois que la deadline, c'était pour début mai, pour le rapportage. Pour la première, si vous avez besoin d'un complément de temps, il n'y a pas de souci, on vous l'accordera, bien entendu. Sachant qu'on n'est pas pressé, on ne pourra pas sortir le dashboard du premier trimestre avant qu'on ait fait le lancement du HRP. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était prendre les devants, s'assurer que le rapportage et la compilation des données soient faites dans les temps pour le premier trimestre, mais dans tous les cas, on ne pourra pas sortir le dashboard. Donc, si on doit repousser d'une semaine, il n'y a vraiment pas de souci, on sera flexible là-dessus, puisque le HRP, on devrait le lancer, on espère, première semaine de mai, et que si on lance le dashboard de réalisation du premier trimestre une semaine après, on sera toujours dans les temps, on ne pourra pas faire on pourra pas faire plus tôt de toute façon. Voilà, merci à tous, bon courage et on reste disponible en bilatéral si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et bon week-end. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci. Bye bye.